Enveloppez vos pieds dans du papier aluminium. Ça remplace 5 médicaments. La santé est un trésor qu'il ne faut pas négliger. La plupart du temps, les gens ne s'en rendent compte qu'après avoir contracté une maladie ou après avoir eu des douleurs, par exemple au niveau du dos, des épaules ou des articulations. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les bienfaits du papier aluminium pour ces douleurs et ces signes de fatigue. Lorsque les douleurs deviennent fréquentes, la consultation d'un spécialiste est souvent indispensable. Toutefois, la technique du papier aluminium est une méthode très préconisée par la médecine chinoise. D'ailleurs, très peu de gens connaissent les vertus de l'application des feuilles d'aluminium sur la santé. Cette méthode va permettre justement d'atténuer les douleurs de votre corps. Découvrez ses différents bienfaits. Comment le papier aluminium peut guérir les douleurs de votre corps? Le papier aluminium est bénéfique pour la santé tant qu'il n'entre pas en contact avec les aliments que nous consommons. En effet, il a des vertus anti-inflammatoires qui aident à soulager les douleurs au niveau des articulations. Il agit au niveau de l'énergie en régulant son flux à travers les méridiens qui la font circuler dans tout le corps. Lorsque cette énergie devient fluide, le corps fonctionne de manière optimale et les douleurs s'atténuent. Les 5 vertus du papier aluminium qui montrent qu'il est bon pour soulager le corps. Éliminer les douleurs articulaires. La méthode du papier aluminium est très efficace contre la douleur de la sciatique, la goutte, l'arthrite et les douleurs articulaires, notamment celles des pieds ou des genoux. Dès que la douleur commence à devenir forte, enveloppez simplement la zone endolorie dans une couche de papier aluminium et serrez-la de façon à bien couvrir la zone et laissez agir pendant toute une nuit. Répétez l'opération chaque nuit pendant 2 semaines suivie d'une pause de 2 semaines et reprenez la même démarche jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Vous serez agréablement surpris du résultat de cette astuce. Le manque de sommeil peut parfois provoquer une grande fatigue, chose qui peut engendrer une baisse du niveau d'énergie et un déséquilibre psychologique et par conséquent le stress. Le papier aluminium est un très bon moyen pour combattre la fatigue et l'insomnie. Prenez quelques bandes de papier aluminium et placez-les au réfrigérateur pendant 2 à 4 heures. Ensuite, mettez-les sur le visage, à savoir sur les joues et les paupières. Gardez-les jusqu'à ce que vous sentiez vos muscles se détendre et se relâcher. Et ainsi vous allez pouvoir démarrer vos journées avec plus de pep. Cette méthode fournit des résultats étonnants. C'est d'ailleurs pour cette raison que des chercheurs de l'université du Wisconsin ont recommandé aux médecins d'utiliser le papier aluminium pour soulager les brûlures légères. Cependant, pour obtenir des résultats optimaux, il vous faut d'abord refroidir la lésion en faisant couler dessus de l'eau froide pendant 5 minutes et sécher avec une serviette propre et douce. Appliquez une couche des pommades hydratantes et cicatrisantes, et enroulez tout cela avec du papier aluminium. Si jamais la plaie est ouverte, fixez avec un bandage à l'aide de la gaze avant de l'envelopper de papier aluminium. Laissez-le pendant un moment jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Soulagez la douleur fantôme. Ce terme désigne une douleur inexpliquée qui survient en raison d'une amputation récente. Elle peut être empirée par le stress et l'anxiété. En d'autres termes, c'est une douleur qui semble provenir d'une partie du corps, membre ou organe, qui n'est plus là. On l'appelle aussi halluzinose. Pour soulager la douleur fantôme, enveloppez une couche d'aluminium autour de la zone amputée et enroulez-la d'un pansement pour mieux la fixer. Laissez agir un moment et enlevez-la une fois que la douleur commence à s'atténuer. Le papier aluminium peut vous aider à soulager le froid. Il vous suffit d'envelopper vos pieds de 5 couches de papier aluminium et de laisser agir pendant environ 1 heure.
Répétez la technique 3 fois après chaque pause de 2 heures. Cette technique élimine le froid de manière immédiate. Une fois terminé, laissez les pieds respirer pendant quelques heures, puis répétez la procédure.